It's in the heart of the Canadian Aluminum Valley that the self-cleaning ePuro filtration system from Propulsa Innovations was invented. Because they always have in mind the environment and the well-being of its employees, Rio Tinto is a customer, a partner, and early adopter of this clean technology. And today, Rio Tinto shares their experience and the results of using this unique, patented technology. Bonjour, je suis Emmanuel Bergeron. Je suis directeur au développement économique régional. L'implication dans les communautés où on opère est une des priorités centrales de Rio Tinto à l'échelle mondiale. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le Québec, ça prend différentes formes, dont le Bureau de développement économique régional. L'objectif du bureau, c'est de soutenir des projets de différentes façons, des projets qui sont importants pour la communauté. Juste en 2020, on a investi environ 4 millions pour l'ensemble du Québec, donc principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans environ 70 partenariats actifs qu'on a. On s'est impliqué dans le développement de la technologie ePuro avec Propulsa pour principalement trois raisons. Un, c'est des entrepreneurs qu'on connaissait, qui sont solides, qui sont crédibles. Deux, c'est un projet qui était porteur parce que ça touchait nos valeurs fondamentales de santé et sécurité. Et trois, parce qu'on y voyait un potentiel pour nous d'ajouter de la valeur, notamment en aidant à créer une vitrine technologique comme celle qu'on a fait aux installations portuaires de Rio Tinto. Ça fait bientôt un an que le filtre ePuro est en opération, puis on n'a pas eu besoin de faire d'intervention en soi sur l'équipement. Donc, pour nous, c'est fiable comme technologie. Comparativement à des systèmes de filtration standard, on n'a pas de filtre à changer. C'est vraiment un gain pour l'environnement aussi, d'avoir aucun filtre à changer. Côté santé-sécurité, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on n'est pas obligé d'aller monter dans les airs, aller changer un filtre à tous les jours ou à tous les 10 jours, et ainsi de suite. Ça se fait tout seul. La poussière tombe tout seul. On fait le test, puis probablement qu'on envisage peut-être de prendre cette technologie-là et la mettre à d'autres applications dans mon secteur. Maintenant, dans nos nouveaux devis d'achat des équipements mobiles, c'est un requis d'avoir un système de filtration Propulsa pour la filtration des moteurs et la pressurisation des cabines. ePuro technology is taking off. Are you on board?